you going to mug me? Am I going to mug you? Is that gorgeous or what, eh? And I believe I can run a decent marathon. Download Veely now. The Museum of the Prefecture of Police in Paris showcases the most amazing collection of artifacts in France's history of crime. The spy hole through which Dr. Petiot watched his victims agonize. The thin rope used to strangle bailiff Gouffet. Landru's boiler. Knives, revolvers, and truncheons. All these weapons were used to commit the most heinous crimes. Since the 19th century, the police has relied on science to solve its investigations. Anthropometry, the study of the human iris, graphology, and morphopsychology are used. Daniel Thierry, police commissioner and seasoned investigator, takes us to the very heart of history's most sensational criminal investigations. A priori, rien ne prédisposait Pierre-François Lassener à devenir un assassin. Issu d'une famille aisée, il fait de brillantes études et se passionne très tôt pour l'écriture et la poésie. Mais sa sensibilité exacerbée, son sens profond de l'injustice, vont le pousser à se mettre en marge de la société. Ses crimes, comme un cri de révolte, étaient le début d'une mécanique qui allait l'entraîner jusqu'à celle qu'il appelait sa fiancée, la guillotine. On December 14th, 1834, in Paris, the police who enter Madame Chardon's small flat at 3 Red Horse Road discover with terror a crime scene of unprecedented violence. In the first room, the son of Chardon is sprawled in the middle of a pool of blood. The victim received an axe blow to the head. The murder weapon, covered in blood, is placed next to the body. In the second room, Madame Chardon is sprawled on her bed. Pillow, sheets, and blankets cover her corpse, which has suffered multiple knife wounds. The house has been ransacked, the furniture disemboweled, clothes strewn across the floor. Robbery seems to be the motive for the crime, which has been committed, according to the police, by 2 people. The Chardon boy, known as Miss Madeleine, is no stranger to the police. He'd already served a sentence for robbery and indecent exposure in Poissy prison. He was known to dress up as a priest and sell sacraments and collect donations for charities that didn't exist. The police turned their investigation to the dodgy areas of town and to the homosexuals. But despite the investigation carried out by the police, the perpetrators of the crime are never found. On n'imagine pas l'âpreté de la vie dans cette capitale en pleine expansion industrielle, mais pas seulement industrielle. Tous les trafics, y compris bien sûr la prostitution, sans oublier d'ailleurs quelque chose qui n'est pas du tout moderne, contrairement à ce que l'on croit, la prostitution masculine. On a des zones de Paris
le Palais Royal, le passage des panoramas, les quais, les Champs-Élysées, qui à l'époque ne sont pas du tout une belle avenue bordée de commerce. C'est plutôt une zone très sombre, très dangereuse, mais il y a des taillis, il y a des buissons où on va se cacher. Et dans toutes ces zones-là, eh bien, parades, les tentes, les Jésus, c'est comme ça qu'on les appelle à l'époque, qui sont bien sûr observés par la police. Et d'ailleurs, dans les archives de la préfecture de police, on trouve deux registres, dits registres des pédérastes, avec les noms de tous ces gens qui, une fois au moins, ont été surpris en pleine action. Alors, ça va du père de France, de l'ambassadeur, jusqu'à la plus basse pègre. On a des domestiques en rupture de ban. On a d'authentiques malfrats. Une fois, en feuilletant un de ces registres, j'étais tombé sur la biographie d'un certain Sercouille. Il était appelé comme ça, parce que sa spécialité était d'attirer les messieurs dans des coins un petit peu reculés. Et là, il leur faisait terriblement mal, jusqu'à ce que, bien sûr, ils lui donnent tout ce qu'ils avaient sur eux, montres, argent, etc. 2 weeks later, on December 31st, 1834, Monsieur Genevet, working for the bank managers Maigre, Morceau, and Mallet, is assaulted at 66 Montorgueil Road as he goes to collect a debt at the home of a Monsieur Moissier. Victim of an ambush, he receives a violent stab wound in the right shoulder. The young 18-year-old man, a solid fellow, manages to break free of the grasp of his attackers and starts shouting, which sends them running. The assault took place in a small room furnished with only a table and a chair. On the door, written in chalk, the name Moissier was the only clue found by the police. The investigation into finding the two thugs proved fruitless. And before the commotion brought by the two crimes, that of Madame Chardon and her son, and the one on Montorgueil Road, the inquiry is passed on to policeman Conlair, who will soon be the famous chief of police. Conlair, qui est un policier remarquable, c'est un peu, on va dire, l'ancêtre de nos policiers, grands policiers contemporains, on pense à Ottavioli, à Broussard et aux autres, c'est un grand policier, il va décider, il va prendre sa canne et son haut de forme, et puis il va faire tous les garnis de Paris. Il va faire tous les gardiens, il y en a quelques centaines à l'époque, il faut le savoir, parce qu'il se dit, ces gens-là, ils sont deux, on sait qu'ils sont deux, hein, ont certainement séjourné dans des garnis de la capitale, il y en a un nombre considérable, il va les faire les uns après les autres. Et ce n'est seulement qu'au bout d'un mois, après avoir épluché les livres d'entrée et de sortie des visiteurs, qu'il va découvrir l'on a aussi accolé à celui d'un certain Ficelier. Alors, Ficelier, on ne le connaît pas davantage, ce sont des faux noms évidemment, mais là, il a marqué un point car la tenancière de ce garni donne la description, elle se souvient de Ficelier, elle donne la description, en disant, c'est un jeune garçon, vingtaine d'années, visage rougeau avec de larges favoris, etc., roux. Et puis Candère se dit, mais je crois savoir de qui elle veut parler. Et c'est un petit monde, vous savez, la paire. Hein, et on les connaît à peu près tous, hein, les délinquants, les vieux chevaux de retour. Il se dit, cette personne, c'est sûrement François, un certain François, qui n'en est pas à son premier coup, et qui est par chance détenu pour autre cause à ce moment-là, à la suite d'un vol. Donc il va le voir en prison. François ne se laisse pas tout à fait faire, il dit donc qu'il est pour rien, mais il dit, écoutez, je peux vous dire que ce Moissier, en réalité, se nomme Gaillard. For Conlair, things are starting to come together. Hoping for the grace of the policeman, François tells him he's just seen Gaillard a few days before. The two crooks, happy to see each other again, had shared a few pictures, and in the euphoria of their re-encounter, Gaillard had told François that he'd stabbed the Chardon woman and finished the son off with an axe. The investigation was advancing rapidly. The two aggressors at Montorgueil Road were then François and his accomplice Gaillard, the latter who had also participated in the first murder at Red Horse Road. But where was Gaillard, alias Moissier?
Collère again started off on his rounds of the capital's shady hotels. He finds luck when he stumbles upon the name Gaillard in a hotel registry book at 15 Marivaux de Lombard Road. The individual had left a few days earlier, but he'd left some papers in his room containing Republican songs, as well as a letter full of insults addressed to the head of police. The hand with which he'd written these notes was the same hand that had written the name Moissier in chalk on the door of the flat in Montorgueil Road. Unfortunately, Gaillard was still on the loose. That is when a prisoner named Avril, at the prison La Force, in the hope of having his sentence reduced, made it known that Gaillard, who he knew well, had an aunt who lived on Bardebec Road. Collère, accompagné de Allard, qui est son supérieur hiérarchique, est aussi un grand policier, se rend chez cette vieille femme. On trouve là une vieille dame barricadée, visiblement très apeurée, semblant se protéger contre un ennemi invisible. Et en l'occurrence, évidemment, elle finit par ouvrir la porte puisqu'on lui annonce que c'est la police et on lui demande si elle a des nouvelles de son neveu Gaillard. Et la première chose qu'elle dit, c'est que bah, mon neveu ne s'appelle pas Gaillard, il s'appelle Lassner. Et elle raconte qu'elle est raquetée par lui assez fréquemment, etc., et que c'est la raison pour laquelle elle se protège. Alors, on a l'écriture de l'assassin, on a le nom de l'assassin, mais Lassner, c'est illustre inconnu dans Paris à l'époque, on ne sait pas qui c'est, puisque les précédents délits qu'il a commis, il les a commis sous un faux nom, systématiquement, dont d'ailleurs quelquefois celui de Gaillard, donc on ne sait pas qui est Lassner. A new name for the murderer, who may have remained elusive to the police without new information. February 2nd, 1835, in Beaune, the prosecutor informs the Paris police prefecture that a certain Levi Jacob was arrested when he tried to deposit a forged bill of exchange and that he corresponds to the traits of Lassener. On March 25, 1835, the order was given to transfer him to Paris. As soon as he arrives, Collère, accompanied by his deputy, Monsieur Allard, go to Lassner's cell. It doesn't take long for him to admit to his part in the crime in Montorgueil Road. Who was your accomplice? Allard demands. We criminals pride ourselves on never revealing our accomplices, unless they themselves have betrayed us, is his response. We know your accomplice, retorts Collère. It's François. Lassner shakes his head, smiling. And I'll tell you what's more, you killed Chardon and his mother, continues Collère. François told us everything, and Avril helped us to find you. Lassner reflects, when I go to La Force prison, I'll look into the matter, and we'll see each other then, he says in conclusion. Some days later, Lassner, incarcerated in the prison La Force, demands to see the two policemen again. I've looked into the matter, he tells them. And today I'm going to tell you who my accomplices were in these two occasions. Overcome by a desire for revenge in the face of betrayal by his partners in crime, he gives details of how he'd operated with François, the attempted robbery of the boy at Montorgueil Road, and above all, how he'd killed, with the help of Avril, Madame Chardon and her son on Red Horse Road. With this confession, he knew he'd condemned himself, but he also knew he was condemning those who'd given him up. I don't want any of my accomplices to escape, because vengeance is one of my pleasures, he said. Se dénoncer entre truands a toujours été une faute, et plus qu'une faute, un crime, a fortiori au temps de Lassner, où bien sûr on encourt la peine de mort, la guillotine. Donc dénoncer, c'est
tuer, c'est tuer lâchement. C'est manquer à toutes les convenances hein, de la pègre et du milieu. Car la pègre a un code, de même qu'elle a son langage, l'argot, eh bien, elle a toutes sortes de codes. Elle a aussi ses lieux de rendez-vous, ses petites habitudes. Il y a véritablement un milieu. Alors on ne met pas encore une majuscule, c'est pas encore le milieu, mais il y a un milieu, une pègre, et une pègre d'ailleurs qui fascine par exemple les écrivains de l'époque. Si on lit Eugène Sue, on est tout de suite dans un tapis franc. Qu'est-ce que c'est qu'un tapis franc? C'est une espèce de bouge, ou un endroit où on boit des alcools frelatés, où on joue aux cartes, où il y a également des filles qui proposent leur charme à des tarifs très 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 bas. Bon, cet univers-là, cette sociologie-là, elle fascine les écrivains comme Eugène Sue, mais elle n'est pas du tout une invention. Ils sont allés l'observer avec beaucoup de curiosité. On a beaucoup de peine aujourd'hui à imaginer ce que pouvait être Paris dans la première moitié du 19e siècle. Il faut imaginer une ville qui s'est accrue à une vitesse incroyable, avec des populations qui viennent de partout, des paysans qui débarquent, des gens qui viennent de l'étranger. À part les beaux quartiers, se sont érigées toutes sortes de masures, de maisons qui n'en sont pas vraiment, et où il se passe les choses les plus effroyables. Hein. Tout ce que nous pouvons penser aujourd'hui des capitales du tiers-monde, eh bien, je ne dis pas qu'on peut l'appliquer exactement à Paris, mais le Paris de l'époque y fait penser. Une ville très polluée, très sale, extrêmement dangereuse, où se mélangent des populations de toutes sortes, et c'est vraiment la lutte pour la vie. But who really was Lacenaire? Pierre-François Lacenaire was born on December 20th, 1803 in Lyon. His father had made a fortune in commerce and married late at the age of 50 to a very young woman named Marguerite Gaillard, who at the time is only 18 years of age. It wasn't until 6 years after the marriage that the first child arrived, and after that, many more. She had a total of 13 children. Pierre-François was the fourth. Il le dit, il se répond beaucoup là-dessus, il n'est pas aimé. Il n'est pas aimé ni par son père ni par sa mère, qui lui préféreront le frère aîné, ce qui était assez traditionnel dans ces familles bourgeoises, il faut le dire. Il n'est pas aimé. Il y a également, de la part de la mère, une absence totale de tendresse. Lacenaire dira que la seule femme qu'il ait aimée et qu'il ait aimée lui-même était sa nourrice, qui lui a montré de l'affection. Sa mère ne lui en a jamais montré. Il en a énormément souffert, ce qui peut se concevoir. Donc le désamour de la mère, la préférence du frère aîné, cet enfant a été très... il a été abandonné quelque part, et même humilié, on peut le dire. Alors il s'en est, il faut parler aussi bien sûr de sa scolarité, car il est brillant. Il faut savoir que c'est un garçon qui a de très heureuses dispositions intellectuelles. Il est féru de littérature, il adore la poésie, il connaît tous les classiques à 14 ans. Il est ce qu'on appelle le premier de la classe, mais malheureusement, lors de la distribution des prix, ses parents ne seront jamais là pour assister à la remise des prix d'excellence qu'il recevait systématiquement. Il en a énormément souffert. Alors, il y a là effectivement une fêlure familiale, il y a ça, certainement une souffrance, une plaie, mais bon, est-ce qu'on peut raisonnablement considérer qu'une enfance malheureuse fait de enfant un assassin? Bien sûr que non. Later, he was sent to the Jesuits, to the small seminary at Alix. He only stayed 1 year. His anti-religious behavior had him rejected by the institution, to the great distress of his father. Un jour qu'il se promène place des Terreaux à Lyon en compagnie de son père, Pierre-François Lacenaire assiste à un spectacle étrange. Il voit plusieurs hommes en train de monter un énorme puzzle de bois, une estrade, deux hauts piliers, et il reconnaît la guillotine. Une exécution capitale va avoir lieu à Lyon cet après-midi-là. Et son père le saisit par le bras, lui désigne l'échafaud et lui dit « Regarde bien mon fils, si tu ne changes pas, c'est là que tu finiras. » On peut mal se représenter, si on n'a pas vu soi-même de guillotine, quel peut être l'effet de cette machine sur l'esprit d'un enfant. C'est quelque chose de particulièrement imposant, d'assez affreux, parce qu'elle ne sert qu'à exécuter les hommes. C'est une machine qui ne sert qu'à tuer, la mort mécanique. Cette prémonition paternelle, plus la vision de la machine de mort,
vont hanter Pierre-François jusqu'à son dernier souffle. Jusqu'à son dernier souffle, il va être un obsédé de la guillotine. At 18 years old, Lassner enters as a boarder at Lyon Secondary School, where once again the adventure is short-lived. When Louis XVIII has been on the throne for 2 years, the students protest to cries of Vive la République. Lassner is named as one of the agitators, and he's expelled. Pierre-François claims he's innocent and cries injustice, which, he believes, has been following him around for as long as he can remember. Le thème de l'injustice est tout à fait central, hein, certainement dans le destin de Lassner. L'injustice, il en fait la première expérience dans le cercle familial, puisque sa mère lui préfère son frère aîné. Et donc ça, c'est manifestement l'expérience qui va être décisive. Et ensuite, si vous voulez, cette expérience qui est d'abord vécue au sein de la famille, eh bien, elle va s'élargir dans le cadre de la société. Il a un regard très, très noir, hein, sur la société de son temps, qu'il présente comme une société de la division. D'un côté, il y a des pauvres qui n'ont pas assez à manger, et puis de l'autre côté, il y a des riches qui refusent de donner aux pauvres ce qu'ils donneraient à leurs chiens. Hein. Je crois que c'est une image qu'il emploie dans les mémoires. Et bien, il se révolte contre cette injustice, et il se révolte comment ? Il se révolte par le crime. Meanwhile, it's freedom that he discovers at the secondary school in Lyon, where he later returns, but this time as a day pupil. He plays truant and takes up a new passion, reading. Molière, La Fontaine, Le Sage, and then novels. Don Quixote, the novels of Abbé Prévost, stories by Marmontel. He also becomes interested in history and through it, forges an image of society. He frequents a group of students who meet up in the taverns, who drink, dance, and have a good time. But Lassner, without pocket money, has a hard time keeping up with the group. He starts by selling his books, then, along with his brother, he decides to take the cleaning money that their mother hides in a wardrobe. It's the first act of delinquency that Pierre-François commits. Lassner's repeated absences provoke the reaction of the headmaster, who sends a letter to his parents. Pierre-François intercepts the mail before it makes it into the hands of his father. Copying the writing, he transforms the letter into a simple request for payment for his studies. It's the first false document he produces, but it's not the last, and he's only 15. Désormais, Pierre-François Lassner se voit affublé d'une étiquette, et pas la plus respectable, celle de faussaire. Et ça, son père ne peut pas le supporter. Lui-même se retrouve dans une situation professionnelle assez délicate. Il a tout investi dans la soie et la révolte des canuts commence à poindre à l'horizon. Il est en train de perdre peu à peu sa fortune. Et il ne veut pas se consacrer à remettre son fils sur le droit chemin, on va dire à plein temps. Il a d'autres choses à penser. Donc, il va essayer de le placer en apprentissage. Et là, c'est une nouvelle révolte qui va éclater. Pierre-François refuse tout net, il ne veut pas du destin que son père est en train de lui tracer. En attendant, il va retourner au collège de Chambéry. Il ne va pas y rester bien longtemps, puisqu'il va être renvoyé pour s'être battu avec un professeur. Obligé de revenir à Lyon, il va entrer dans le milieu professionnel, pour de bon, d'abord en étant petit assistant, petit gratte-papier chez un avoué, puis employé de banque. Et il en est renvoyé au bout de quelques semaines, quelques mois, pour une affaire de détournement de fonds. Après cela, il est embauché dans un cabinet de notaire, et il n'y reste pas longtemps non plus, puisque là encore, il y a une affaire de détournement de fonds. On le soupçonne d'avoir gardé 10 francs sur une histoire d'hypothèque. Évidemment, on peut s'imaginer que la somme est assez dérisoire, mais elle ne fait que confirmer les soupçons du père. Son fils est un malhonnête homme. Alors, les deux hommes vont avoir une discussion.
dans laquelle le père va avoir cette parole relativement dure envers son fils en lui disant « Qui peut voler ses parents peut voler n'importe où ». Et dès lors, il va laisser son fils seul maître de son destin. Il va le laisser partir, faire la vie telle qu'il entend, tout en ayant en mémoire que quelques années plus tôt, il lui a montré l'échafaud et lui a dit « Un jour, mon fils, c'est là que tu finiras ». Pierre-François leaves for Paris, his dream. There, he's sure that his talent's going to finally be recognized. He wants to make a living from his writing. Et puis alors, il montre à Paris, mais il monte à Paris dans l'idée d'y faire carrière, non pas dans le crime ou dans l'escroquerie, mais dans la littérature. Il commencera d'ailleurs par écrire un vaudeville, malheureusement, qui ne sera pas représenté plus d'une fois, nous dit-il. Il écrira des poèmes qui ne sont pas lus, des articles aux journaux qui lui sont systématiquement refusés. Il y a donc chez lui un sentiment d'échec. Il dira même que, parce qu'il va se mettre à jouer également, il faut savoir qu'on joue beaucoup à Paris à cette époque, il y a des tripots un peu partout. L'État d'ailleurs, il faut le dire, car c'est tout de même assez remarquable, prend sa part du gâteau, tout ça est très organisé. Il gagnera de l'argent au jeu, mais il en perdra autant. Il se retrouve un jour, il le raconte très bien d'ailleurs, sur le pavé, mais il dira qu'il est resté 3 jours sans manger. Donc je veux dire, il est vraiment au fond de la cuve. He asks his brother Benjamin for help, who looks down on him and takes the moral high ground. Pierre-François, hurt, decides to take revenge. He creates fake bills of exchange, goes to Lyon, and converts them into 10,000 francs. They are paid by the most honest storekeepers in the region. Il faut savoir qu'il a des dispositions calligraphiques extraordinaires. C'est un vrai faussaire, c'est un faussaire né. Hein. Et il fera de fausses lettres qu'il tirera d'ailleurs sur des personnalités, des notables de la ville. Et évidemment, lorsque les parents vont découvrir, et notamment le frère aîné, mais le père également, c'est le scandale, c'est l'émotion d'abord, et la crainte du scandale qui pourrait en rejaillir sur la famille, la honte même, qui pourrait en rejaillir. Et on verra le père s'empresser de rembourser ses créanciers. Cependant que le fils plastronnera dans la ville, fier de ce qu'il a fait et surtout sûr de son impunité. We come across Pierre-François, again in Geneva, then in Verona, then in Lyon in 1828, with empty pockets. He's hired again, but this time under his real name, on May 26th, 1928. Then the story begins again. He leaves in March of 1829 and returns to Lyon. When he arrives at the family home, he finds the door closed. His father's gone bankrupt and has left with the whole family and returned to Belgium. Pierre-François returns to Paris, tries his hand again at writing, but without any further success. His one last resource, with the last of his money, he returns to the gambling dens of the Palais Royal. And there, luck smiles upon him once again, but it doesn't last. During one of his evenings of debauchery, he comes across the nephew of Benjamin Constant at the green table. A fight breaks out between the two men, who decide to determine who's right with a duel. It's set for the next day at the clearing in the cedars in the woods of Boulogne. They duel with pistols. Constant shoots first. The bullet whistles past the ear of Lasnier, who shoots back. The bullet flies, Constant drops to the ground. He's dead. The duel doesn't fix Pierre-François's troubles. Within the gambling circles, people don't trust him anymore, and other gamblers refuse to play against him because he might shoot them like rabbits. Alors, il décide de se venger, voilà, de la société. C'est un concept très romantique, la vengeance. Il décide donc de devenir assassin. Alors, devenir assassin, quand on s'appelle Lasnier, qu'on est un enfant de bourgeois, qu'on ne connaît au fond pas grand monde à Paris, et qu'on a essuyé des échecs, eh bien, c'est pas simple. Comme il est intelligent, il a donc conçu le projet d'abord
de faire ce qu'il appelle ses universités criminelles, il faut admirer l'expression qui vient de lui et qui ne manque pas de cynisme, il va donc commettre un délit tout à fait anodin, il volera un cabriolet, enfin c'est un fiacre à l'époque, hein, mais enfin aujourd'hui il aurait volé une voiture, pour se faire arrêter. Il fait en sorte d'ailleurs qu'on le retrouve très vite, hein, et évidemment il est hors de question de se sauver, enfin en tout cas d'échapper à la poursuite et à la condamnation, car il espère une condamnation qui sera évidemment prononcée. From his first time in prison, he learns criminal jargon and every manner of stealing. It's as a gang leader that he leaves Poissy and starts his real career as a criminal. For 6 months, Lassner lives the good life with the fruits of his thefts. Lassner va se retrouver dans tous ces mauvais lieux de Paris, ces cabarets plus que louches, comme le Lapin Blanc, qui sont des univers où vont se croiser un petit peu tous les réprouvés, les prostituées bien sûr, qui sont là pour glaner un peu d'argent ou un verre d'alcool fort, alcool souvent frelaté, des chiffonniers, hein, parce qu'il y a certains établissements qui sont de véritables républiques de chiffonniers, c'est tout à fait étonnant. Ça, c'est une profession qui a quasiment disparu du pavé parisien, alors que certains quartiers, aujourd'hui très chics, étaient littéralement peuplé de chiffonniers. On a des récits de policiers qui sont éberlués de trouver des sortes de cabarets clandestins au fond de véritables galeries, dans des galetas remplis d'immondices, où on a aménagé des petites tables, de quoi boire, quelques bougies, tout ça dans un air absolument fétide. Et dans ces cabarets louches, dans ces tapis francs, dans tous ces bouges, eh bien, c'est là que, bien sûr, se préparent les mauvais coups. Parce qu'on est entre soi, de toute façon, on a un langage qui est difficilement pénétrable à quelqu'un d'étranger qui viendrait se promener par là, si jamais il en avait l'idée curieuse. Et on commence à évoquer eh bien, les affaires, hein, les coups qu'on peut tenter. Et là aussi, bon, on trouve un petit peu tous les talents. Voler, ça ne veut rien dire. Il y a plein de façons de voler dans la pègre parisienne. Il y a les vanterniers, dont la spécialité est de passer par les fenêtres. Et encore, au sein des vanterniers, il y a même une sous-spécialité, c'est l'anguille. L'anguille, c'est quelqu'un d'agile, généralement un très jeune homme ou un jeune garçon, particulièrement mince, qui peut passer même entre les barreaux d'un vasistas, et donc qui va s'introduire dans une maison particulière, dans un magasin, et puis qui va voler ou qui va ouvrir de l'intérieur la porte à ses complices qui vont déménager tout. Il y a les caroubleurs qui utilisent des fausses clés, donc qui vont forcer les serrures. Il y a comme cela toute une aristocratie du vol et du crime. Du crime parce que le vol étant fortement puni, eh bien un voleur qui se trouve surpris va assez volontiers chouriner. Plutôt que d'aller en prison, eh bien, il va résoudre son problème par la violence. Donc on bascule très vite du simple vol, du simple cambriolage au crime de sang. During the course of a night of drinking, he comes across a joyous group of notary publics. He gets on well with them, and they propose that he come to work at their office. Lassner immediately thinks of the cash kept at their office. If he worked there, he could easily steal it. So he accepts their proposition. To celebrate the end of his idleness and the beginning of his new life, he organizes a memorable banquet at the Calf Who Suckles on Gaiety Street. Among the guests is Mr. Claude, who will go on to become the chief of police under Napoleon III. At the time, he's a young man, a lawyer's clerk. But his impressive sense of observation leads him to see in Lassner the nature of a killer. He confides in his friends, who simply laugh at the idea. Sometime later, when Lassner's real criminal nature is discovered, Mr. Claude's gift for investigation is finally recognized, and he's offered the job at the prefecture. That's how Lassner is at the origin of the fabulous career of the policeman Mr. Claude. But the evening of debauchery costs Lassner very dearly. Most of his savings are now gone, so he decides to gamble once again, but this time luck is completely against him. He loses everything, even his suit. He can't show up at the notary office dressed in rags. During this miserable period of his life, he tries again to write, but he ends up returning to his old ways, and it's during a pathetic robbery of silverware at a bar that he's caught and sent back to prison. On est après la Révolution française.
Donc on est dans une société où il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de privilèges. Et c'est une société donc, qui marche au mérite. Donc quelqu'un qui est instruit, quelqu'un qui est intelligent, qui est bien né, comme Lassner, il a l'avenir devant lui, si je puis dire. S'il est travailleur, s'il fait preuve de qualité morale, etc. Or, Lassner, eh bien, au lieu d'être une illustration, hein, il a descendu l'escalier social où, on va dire, il a sombré dans le crime. Pourquoi a-t-il choisi la route du crime? Pourquoi n'a-t-il pas réussi? Ça, c'est des questions qui sont importantes. Lassner accuse la société de son trajet criminel. Il revendique son itinéraire et c'est ça qui est tout à fait, au fond, étonnant. Hein, c'est que, il l'explique d'ailleurs dans les mémoires, comment, en fait, il est devenu ce monstre que la société a vu en lui, comment il a choisi de l'être. Il explique « J'étais né avec une sensibilité à fleur de peau et devant l'expérience de l'injustice, cette expérience réitérée, eh ben, je me suis blindé. » En fait, il est devenu un être froid et insensible. Et il dit « C'est moi qui me suis fait comme ça. » Il dit « Je suis ce que j'ai voulu être. » Lassner is locked up at La Force prison. He comes across Avril, a young criminal he'd met during his first incarceration at Poissy. The two men had got along well, and Lassner makes him his partner for the large criminal projects he's planning for when they get out of prison. Because this time, it's the crime route that he plans on taking. The path that's going to lead him to the murder of Chardon and his mother. And straight to the guillotine. The trial begins November 12th, 1835. It takes 3 days. For Lassner, it's finally the platform he's been waiting for. The courtroom becomes a theater where Pierre François becomes the star. Le procès de Lassner est un spectacle. On s'y rend exactement comme on se rend en théâtre. Il joue le premier rôle, tout est organisé autour de sa personne, il est à la fois acteur, mais il joue tous les rôles, pas seulement celui de l'accusé. Vis-à-vis de ses complices, il sera un procureur redoutable. Et puis, en même temps, le reste du temps, comme pour lui tout est plié, n'est-ce pas, il reconnaît tout, c'est très simple, il marque son indifférence en lisant le journal. Alors il lit le journal des débats, qui est en fait le compte-rendu du procès de la veille. Puis de temps en temps, on le voit assez rageusement annoter le journal, chose qui ne lui plaise pas. On le voit beaucoup écrire également, beaucoup ont pensé, et sans doute à raison, qu'il commençait de rédiger ses mémoires. Pour lui, ce procès ne l'intéresse pas. Il ne l'intéresse que par la représentation, je dirais, sociale qu'il en donne, de sa personne, parce qu'il est enfin le héros du crime, et puis également par le besoin d'entraîner dans sa perte ses deux complices pour lesquels il a une haine extraordinaire. Enfin, il se comportera avec eux, au point d'ailleurs qu'à un moment donné, Avril se lèvera en disant, en montrant Lassner du doigt, « Mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Est-ce qu'il est procureur ?» Et l'avocat général, précisément donc le procureur, on appelle ainsi aux assises, dira à Avril, mais soyez vous-même avocat-procureur. Alors, il y a des répliques extraordinaires au cours de ce procès, qui est un procès spectacle. On raconte une anecdote extraordinaire de ces femmes qui étaient toutes enrubannées, avec leur grand chapeau, qui à un moment donné, lorsque les pièces à conviction sont étalées devant aux yeux des jurés, se lèvent pour les voir de plus près, puis les hommes derrière, mesdames, voyons, asseyez-vous. Alors on ne sait pas trop si c'est parce que il considérait que c'était tout de même un comportement plutôt indécent, ou si c'est parce qu'il voulait même voir de plus près le tire-point et puis la hache et que sais-je encore. Enfin, ce procès a été un procès absolument, un procès spectacle autour de la personne de Lassner. On November 15, 1935, at 2 o'clock in the morning, the sentence is announced. Life imprisonment for François, the death penalty for Avril and Lassner. On est dans un temps de pénalité exemplaire et infamante. Et donc, ça fait longtemps qu'on discute pour savoir si on doit maintenir ou pas le châtiment suprême. Hein, les révolutionnaires ont pensé l'abolir. Bon. Et puis finalement, le châtiment suprême a été maintenu. Donc, évidemment, le personnage de Lassner ne se comprend que en fonction de la peine de mort. C'est intéressant de voir comment Lassner a construit, dans une très large mesure,
son personnage sur sa mort. C'est le sujet de ses poésies, sa mort. Il en parle. Quand les gens viennent le voir en prison, parce qu'il y reçoit de nombreux visiteurs, il parle de sa mort. Et si vous voulez, il en a fait comme un moment de vérité. Parce que Lassner disait, au fond, je suis un assassin systématique. Mes crimes, c'est le résultat d'un système que j'ai construit, qui part du constat de l'injustice et qui aboutit au crime comme une conséquence. Back in his cell, Lassner has only one thing to do. He must hurry to finish his memoirs, which will contribute to the myth of the poet assassin. Il y a trois théâtres, on va dire, hein, dans cette affaire. Il y a le théâtre du tribunal, où Lassner fait son show, hein, c'est ce théâtre qui va le révéler, si je puis dire. Et puis ensuite, le deuxième théâtre, avant le dernier qui sera à l'échafaud, hein, le deuxième théâtre, c'est la cellule de la conciergerie. Il va utiliser l'espace carcéral, qu'il va détourner de sa finalité, en fait, pour se mettre en scène. Alors, il le détourne de sa finalité, oui, parce que la prison, c'est l'antichambre de la guillotine. Donc, c'est quand même cet endroit d'agonie morale. Hein, c'est le prélude à l'échafaud. Alors que Lassner, eh ben lui, dans sa prison, il y est bien. Hein, il reçoit du monde. Il est très occupé à recevoir, également à écrire. C'est sans doute là l'essentiel. Hein. Il a transformé la conciergerie, en espace poétique. Certains racontent, l'écrivain Jacques Arago, qui est venu lui rendre visite, raconte qu'il arrive dans la cellule de Lassner et en fait, Lassner ne s'arrête pas, ne lève pas la tête, il est occupé à écrire. Hein. Alors, il est occupé à écrire ses poésies, mais surtout, il est occupé à écrire ses mémoires. Parce que là, c'est une course contre la montre. Lassner intrigues all of society. The press has him in the headlines. The intellectuals visit him, and the scientists interrogate him. The phrenologist Pierre-Marie Dumoutier makes a mold of Lassner's head to practice the new cranioscopic method of deciphering a man's character by studying the lumps on his skull. The analysis of the skull of the poet assassin doesn't, however, correspond with the expectations of scientists, who even find the lump of kindness on his skull. Le cas de Lassner, qui n'a pas le physique d'un assassin, contredit toutes les théories de physiognomonie qui valent depuis Hippocrate et qui prétendent élaborer le profil criminel à partir de caractéristiques physiques. Mais cette exception n'empêchera pas le développement de cette science jusqu'à Lombroso, qui prétendra l'imposer à la recherche criminelle jusqu'à la fin du siècle. On January 8, 1836, the director of the prison goes into Lassner's cell. You must get dressed, he says. We have to transfer you to Bicêtre. Lassner gets up and goes to his table to add one last thing to his memoirs. Goodbye to all of the beings that have loved me, and even those who curse me, they have their right to. And you reading these memoirs with blood oozing from each page, you who will only read them once the executioner has wiped his iron triangle that I've made red, oh, save me a place in your memory, and adieu. January 10th, 1836. At 6 o'clock in the morning, the condemned are called for. Avril is praying with the priest, and so Lassner waits until they finished. Then Pierre-François shares a coffee with Avril and a glass of brandy before proceeding to get dressed. Go and get my frock coat. I want to wear it today, demands Lassner. Having arrived at the guillotine, Avril goes up the first step. Goodbye, old Lassner. Goodbye. Courage. I approach the end.
He cries before the blade falls and cuts his head. La tête d'Avril vient de rouler dans le panier. Le temps de passer un coup d'éponge humide sur le couperet, celui-ci est remonté en haut de la machine et c'est au tour de Pierre-François. Il gravit les marches de l'échafaud, égal à lui-même, hautain comme au moment de son procès. Il a à peine un regard pour la foule venue assister à sa mort. Les aides le saisissent, le plaquent sur la planche à bascule, l'attachent. Il est enfourné, comme on dit dans l'argot des bourreaux. Et l'exécuteur Henri-Clément Sanson déclenche le mécanisme de la guillotine. Et là, stupeur, le couperet s'arrête à mi-course. Ce n'est pas un événement si rare que ça. Il faut s'imaginer que la guillotine qu'on utilise pour l'exécution de Lassner est une guillotine qui date de la Révolution, donc elle a plus de 40 ans. C'est un outil qui a déjà beaucoup fonctionné. Le fait de faire une double exécution a un effet assez néfaste sur le mécanisme. Nous sommes également à un matin d'hiver. Il y a beaucoup de conditions réunies pour que l'exécution soit un fiasco. Et là, c'est bel et bien le cas. Pendant 17 secondes, le couperet va rester bloqué et les bourreaux vont s'acharner à essayer de le débloquer pour le remonter et enfin mener l'exécution à bien. Et pendant ce temps-là, Pierre-François parvient, à force de se tortiller sur la planche à bascule, à tourner la tête de biais, non pas complètement, en essayant de voir l'instant où le couperet va enfin se détacher pour lui trancher la tête. L'anecdote de l'exécution de Lassner sera rapportée dans les mémoires de Sanson. Mais elles n'ont de mémoire que le nom, puisque Sanson n'a rien à voir avec leur écriture. Au mieux a-t-il donné les informations, mais l'œuvre a été écrite par deux auteurs, dont l'un n'est autre que Honoré de Balzac. Donc, parmi les informations que rapportent ces pseudo-mémoires, le coup du couperet resté bloqué est authentique. Cependant, alors qu'on s'imagine très bien un condamné à mort en proie à une terreur immense face à ce genre de situation, il faut s'imaginer qu'une exécution réussie, elle dure une dizaine de secondes, tout au plus. Là, presque 30 secondes, c'est 30 secondes interminables. Pourtant, quand le bourreau rapporte cette histoire, il dit que l'expression du visage de Lassner pendant qu'il tournait la tête en essayant de voir le couperet s'abattre sur lui, relevait plus de la surprise que de l'effroi. After Lassner's execution, the official press hurries to destroy the myth that has been born of a hero who fought against society. The report of the execution in the Gazette tells that Lassner died a coward. With a pale face, he climbed the steps of the scaffold hesitantly, bowed over. La Gazette des Tribunaux était le journal de référence en matière judiciaire. Donc c'est la Gazette des Tribunaux qui a assumé ce mensonge, qui a raconté que Lassner était mort en lâche et donc qu'il n'avait pas réussi à tenir son pari jusqu'au bout. Ce mensonge, évidemment, était pour masquer un dénouement qui n'était pas du tout édifiant et qui donnait raison à Lassner, qui avait réussi à tenir son pari, qui était de mourir sans regretter ses crimes et sans s'être réconcilié avec Dieu, puisque sur les marches de l'échafaud, Lassner a refusé les secours du prêtre. Lassner's posthumous legacy contained in his memoirs has inspired many authors. In Les Misérables by Victor Hugo, we can find the face of the poet assassin, as well as in Stendhal's unfinished novel called La Miel. Lassner's name appears in literature at the end of the 19th century and into the 20th. For the surrealists, he's the embodiment of revolution. And his name also remains in our memories, thanks to the 1945 film Children of Paradise. Pierre-François Lassner, the dark prince of romanticism, was able to seduce and scandalize at the same time. He who should have been the object of a pulp fiction novel succeeded by joining crime and poetry and entering into history.